Et on démarre, bonjour tout le monde. Donc, je sais pas si on voit à la caméra là. C'est bon? C'est bon. Ok, nickel. Et ben c'est parti, hein. Séance 23, à 3 séances de la fin en comptant celle-là. Et donc séance challenge aujourd'hui. Après avoir, je sais pas ce que ça a donné mardi d'ailleurs, moi j'étais un peu fatigué après mardi. Et donc j'espère que ça va passer aujourd'hui, sachant que les challenges en général c'est assez difficile. Donc nom du challenge, Yvan le Terrible. En image à Yvan qui nous a trouvé un des exercices. Alors attention, en même temps j'ai un téléphone qui appelle, qui arrive, je décroche pas. Enfin si je décroche parce qu'en fait comme je suis d'astreinte, je suis obligé de répondre au téléphone. Raphaël, je te rappellerai plus tard, je suis en call. Et donc voilà, donc séance Yvan le Terrible proposée par Yvan, au moins sur un exercice. Donc comme d'habitude sur les challenges, on fait un gros échauffement en mode relax. C'est juste 10-15 minutes hein, pour être bien fin prêt pour attaquer tout de suite fort. Donc le premier challenge, je l'ai appelé la promenade de santé, hein, vous l'avez vu dans le mail. Donc la promenade de santé où on aura 3 exos qu'on répétera en boucle pendant 3 minutes. Et le but, c'est faire le plus de tours possible. Et chaque, donc il y aura 3 défis. Les 3 défis seront basés sur 3 exercices avec, comme dit, toujours pareil, la même chose, un maximum de tours sur les 3 exercices. J'ai oublié quelque chose. Donc au niveau matériel, 2 petites haltères, des bouteilles de lait 1 kg ou 1 kg, entre 1 kg et 1 kg 5. C'est la seule chose dont on aura besoin. J'avais précisé une piqûre d'adrénaline. Ça, c'est pour avoir la boost. Et un jacuzzi, ce sera pour en fin de séance, comme on sera bien fatigué, pour se relaxer dedans. Mais là, je vous fais confiance, hein, une bonne douche froide, ça ira très bien aussi. Et bien, on va démarrer. Je vous expliquerai le premier défi, les premiers exos tout à l'heure. Hein. Donc, le premier, c'est la promenade de santé. On le fait, c'est plutôt cool. Hein. C'est pas des exos trop difficiles. Le deuxième, qui s'appelle « Je suis à plat ». Bon, on sera un peu fatigué, mais c'est surtout parce qu'on sera à plat au ras du sol. Et le troisième, le Yvan le Terrible, lui, va être un peu plus dur. Donc, on aura gros focus sur le dernier exo. Et bien, c'est parti. Je me mets un peu du soleil, hein, sinon ça, vous ne me verrez pas. Et c'est parti pour l'échauffement en mode trottiné. J'ai les plantes qui me dérangent. Oh là là, je ne parle pas du tout, c'est pas grave. Donc, mode trottiné, comme d'habitude, je mets le chrono en route. Et c'est parti. Les plantes qui me dérangent. Et c'est parti pour le show. Donc j'espère que Yvan, tu nous as rejoint entre temps. Hein. Tu vas pas faire faux bond vu que tu as proposé des exos. Allez, trottini mode léger. Donc d'ailleurs, Yvan le Terrible, hein, je sais pas de quelle nationalité, j'ai même pas vérifié sur internet. Donc j'ai pensé peut-être à tort qu'il était russe, donc d'où la tenue rouge que j'ai mise aujourd'hui. Bon, c'est une petite clin d'œil, mais je sais même pas si c'est juste. On n'a pas fait dans l'originalité hein, aujourd'hui. C'est difficile de faire une trouvaille à chaque fois. Allez, on savoure, hein. C'est les trois dernières séances, donc il n'en reste pas 50, donc on se fait plaisir. Et normalement, ça devrait voir les progrès par rapport, parce que c'est un défi qui ressemble à un qu'on avait déjà fait. Donc si vous avez une feuille pour noter les scores, j'ai oublié de préciser aussi peut-être une feuille avec un papier stylo pour noter les scores avec le tableau. Comme ça, vous pourrez comparer par rapport au challenge qu'on avait fait la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, début avril. Donc toujours en mode cool, hein, trottiné. On en fait un peu plus que d'habitude, puisqu'on va faire une 10-15 minutes d'échauffement. Donc on reste en mode relax pendant un peu plus longtemps. On fait une petite variante aussi. Aujourd'hui, il y aura une petite variante aussi sur les exercices qu'on connaît déjà, donc sur les jumping jacks notamment. Et comme vous allez vous emmêler les pinceaux comme je l'ai fait quand j'ai testé, donc on va faire l'échauffement pour ne pas s'emmêler les pinceaux pendant qu'on sera dans la partie défi. Allez, on prend un peu de côté, mode relax, regardez les pas en bas, ou les mettre à l'horizontale comme vous voulez. Je les garde en bas, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais être à l'économie.
deux absents de marque. Il y a Fatia qui est omniprésente d'habitude et Maëlle aussi qui ne sera pas là. Par contre, je crois qu'on a le retour de Sylvie. Si je dis pas de bêtises, Sylvie qui fait son comeback après son retour obligatoire. Retrouve notre entretien. J'espère que j'ai bon, moi, Sylvie, que t'es bien là. Sinon, je suis sûr que tu le referas en replay. Allez, on va appeler ce ciseau avant arrière. Donc, pour ceux qui arrivent, niveau matériel, je m'étais trompé. Donc, niveau matériel, il faut deux haltères, 1 kg, 1,5 kg. Donc, ce sera 3 bouteilles de lait sur les haltères. On va rajouter un peu de lait sur un exercice, on va me rappeler sur un exercice. Qui peuvent me dire s'ils ont eu des courbatures suite à mardi. Parce que moi, vu que j'ai des courbatures, je ne sais pas si c'est à cause de mardi, des courbatures liées à mardi ou liées à la séance d'entraînement solo hier. Donc, pour savoir d'où ça vient, je peux vous remettre dans le chat. Ah, ok. Aux gencives, c'est ça, comme moi? Moi, c'est aux gencives. Allez, on lève les genoux. Mode tranquille, hein, comme dit, on n'insiste pas trop, pas la peine de faire trop haut. On fait un mode cool. C'est juste en déroulant un peu plus la course pour lever légèrement les genoux. Mode tranquille, on alterne avec talon-fesse. Pareil, talon-fesse, hein, c'est fiché, donc je vais à peine à l'horizontale. On bascule en montée de genoux. Et un trottinement dans mon genou. Donc là, pendant qu'on trottine, je vous montre juste la nouvelle façon de faire le jumping jack aujourd'hui pendant les exos. Donc on le fera. Le jumping jack, je rappelle, on parle de gagner, enfin de serrer. Et en même temps, quand on écarte les jambes, on écarte les bras. Donc ça, c'est le jumping jack classique. Là, ce qu'on fera, c'est en trois temps. Donc, un temps serré et mi-écarté, complètement écarté. L'homme de... Je sais pas comment ça s'appelle. L'homme de citrus, le... c'est gainé, mi-écart et levé. Ok, donc en trois temps. Mi-écart et écart complet. Ça devrait se faire de façon tonique. Donc on peut déjà l'essayer à l'échauffement. Donc pour l'essayer à l'échauffement, on fait d'abord pull si vous avez des soucis pour la coordination. Donc pull, moitié, complet, moitié, complet, moitié, complet. Une fois qu'on a figé le truc, après on peut le faire très rapidement. Ok, donc on en fait quelques-uns. Je vous laisse continuer à le faire. Et on peut continuer normalement. Et on fait un peu de flexion, donc flexion du haut, avec en même temps l'échauffement du haut du corps, épaules, pectoraux. Donc position écart. Position squat, hein, comme si on voulait faire un squat. Donc on fait le squat, on descend tranquille. Et après, on vient chercher avec les mains contact au sol. Donc main contact au sol. On avance les mains. Et je vais tourner, je pense que le soleil là c'est bon. Donc on fait le squat. Le squat, on se redresse. On fléchit les jambes pour toucher appui au sol. On pose les mains à plat. Et on commence à avancer en position planche. Et quand on est en position planche, on lève une jambe, donc jambe gauche par exemple, et
droite, pareil, quelques secondes. Ça, deux fois de chaque côté. Droite. Et on revient en courant. Et on se relaxe. On refait un squat. On repose les mains à plat. Et on avance. Quand on a la souplesse suffisante, on peut tendre les jambes. De tours possible. Donc un tour, c'est quand on a fait complètement les trois exos. D'accord, complètement les pompes sur les coudes, complètement les crunchs et complètement les jumping jacks. Si vous avez fait un tiers, donc si vous avez terminé uniquement les pompes à la fin des 3 minutes, vous compterez 0,3 comme un tiers. Si vous avez réussi à faire les abdos, vous compterez 0,6, donc le nombre de tours complets 0,6. Et si vous êtes arrivé au bout, ben c'est un nombre entier, hein, donc vous serez au nombre de tours complet. Ben voilà, je crois que c'est tout ce qu'il faut dire. Donc moi j'ai préparé ma feuille, je vais te la garder, garder le kilo. Donc comptez simplement le nombre de tours complet, et à la fin on notera dans la case premier challenge, première série, le nombre. Et on aura
je sais plus combien de temps de récup j'ai mis. 1 minute de récup. Ouais, 1 minute de récup. Donc 1 minute de récup après les trois minutes. Et on fait ça 3 fois. Donc on fait 3 fois le défi 1. Donc on aura 3 scores à noter dans chaque case de chaque colonne. Est-ce que c'est clair? Donc je remonte les exos et je rappelle, donc c'est ça, 5 et coude. Donc coude, soit sur les genoux, soit en planche. Ok, on alterne les descentes. On a 10, donc c'est 5 disques. Hop, pardon, je vois rien. Pardon. Donc, les fonds coude, soit sur les genoux, on descend en alterné. On aura après 10 abdominaux, donc 10 crunch. De 15 jumping jacks. Ok, donc 5, 10, 15. Et si vous êtes prêts, je mets le chrono en route et on démarre le premier test dans quelques secondes. Vous êtes parés? Tout dans la tête, hein. 3 minutes, 3 fois avec 1 minute de récup, tout dans la tête, on ne lâche rien et on compte le nombre de tours complets. Allez, démarrage dans 10 secondes. 8, 5, je suis en position. 3, 2, 1, top! Allez, c'est parti! Quand on a fait les 5, on bascule en abdos et on enchaîne les 10 abdominaux, les 10 crunch. Si c'est trop difficile, si vraiment c'est trop difficile, vous mettez les pieds à plat et vous redressez simplement, vous décollez simplement les omoplates. Donc les bras là en avant. Jumping jack en 3 temps. Ok. Et 15 à faire. Hein. De l'intensité qu'on met. Il reste un peu plus de 30 secondes. On arrête les compteurs et on peut noter son score sur la fiche de score. Donc, première case. Donc, je sais que c'est à l'envers chez vous, hein. Mais moi je suis à 3,3. Donc 3,3 parce que j'ai fait 3 tours complets
Et j'ai juste fait les pompes. Donc les pompes coudes complètement faites. Et ce qui me fait un tiers de mes pompes. Donc 3,3. Si vous êtes arrêté aux abdos, c'est 3,6. Et si vous avez fini complètement les jumps et les jacks, ben c'est un nombre entier. Il n'y a pas de souci. Allez, on est à 40 secondes de récup. Il n'en reste pas beaucoup. Donc savourez-les. Avec 45, on a juste le temps de boire une gorgée. Et on repart dans 10 secondes. Allez, départ, 10 secondes. Même chose, 5, 10, 15. 5, 10, 15, toujours pareil. 3, 2, 1. Top. Les pompes sur les coudes. Et les jumping jacks 3 temps. De santé ce module. Donc, on voit pas que ça a des scores énormes. Bon, je vous conseille d'en garder un peu sur le sujet pour après. Il y a 30 secondes, un peu moins. J'ai réussi à m'arrêter aux pompes. Bon, j'ai un peu triché, j'ai gratté 2 secondes. Donc, round 2, je fais 3,3 comme tout à l'heure. Allez, on souffle. Là, on a 1 minute là pour souffler. Ça passe vite, 1 minute. Donc, inspirez profondément, expirez profondément. On voit une gorgée, il reste déjà plus que 20 secondes. Je prépare le chronomètre et c'est le dernier round de cette petite promenade de santé. Démarrage dans 10 secondes maintenant. Donc pareil, on change rien. 5, 10, 15, 3, 2, 1. Top, c'est parti.
pouvoir sur les jumping jacks, ça doit être épique, ça doit faire n'importe quoi, je suis content, je sais pas. Bon, j'ai triché, j'étais à 8, mais j'ai dit le top 2 secondes plus tard. Donc là, vous notez votre troisième score et vous avez le droit de faire le calcul. Donc si vous arrivez à 0,9, vous arrondissez au-dessus. Hein. C'est comme si vous aviez fait les 3 tiers, en fait. Donc... 9, 10, 10,3. Oula, c'est moins bon que ça. Donc vous notez votre score, vous faites la somme dans la ligne. Hein, et vous gardez ça précieusement pour vos vieux jours. Pour vous dire, ah, quand je travaillais chez SAP pendant le confinement, j'avais fait un score de je sais pas combien. Là on a 2 minutes de récup. Et je vais vous expliquer le deuxième module qu'on a baptisé donc je suis à plat. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout normal, vous n'êtes pas trop fatigué, ça devrait passer bien. Donc là on aura 3 exos avec 10, 15 et 5. Donc 10 répétitions de mountain climber, on va voir tout de suite. 15 natation avec poids. Et 5 genoux sur les coudes en latéral, donc les deux côtés. Donc en fait, il y a 3 exos et 1 qu'on doit faire 2 fois, puisqu'on doit faire, on travaille en asymétrique. Donc, on doit faire les deux côtés. Je vous montre les 10 mountain climbers. Le mountain climber, c'est un aller-retour pour se valider. Il baisse. Hop. Tout se passera au niveau du sol. Hein. Donc, pour être validé, c'est un aller-retour. D'accord ? Droite et jambe gauche. D'accord ? Donc l'aller-retour fait 1, 1, 2, 3, 4. Qu'on peut faire soit en mode dynamique, donc en mode sauté, soit en mode chat-jambe alternativement. Okay ? Et c'est aussi l'aller-retour qui fait 3. Donc après, à 10, donc 10 allers-retours.
préparer le poids à portée de main pour faire l'exo de natation. Je sais que certains n'aiment pas le mouvement de natation, bon, mais il est important parce que c'est un des rares qu'on puisse faire sans rencontre matériel. Parce que normalement, les mouvements arrière, les mouvements du dos, sont plutôt basés sur des tirages. C'est très difficile de faire des tirages sans poids, avec peu de matériel, donc à peu de corps. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours ce fameux mouvement de natation qui vous plaît tant, j'en suis sûr, d'autant plus avec les poids. Donc mouvement de natation, 15. Donc prenez pas trop lourd. Hein. Donc 1, c'est un aller-retour. Hein. C'est quand on revient devant, 51. Donc là, il y aura 15 à faire. Et troisième exo, donc c'est en latéral, donc sur coude, ouais sur coude, donc c'est 1, 2, donc c'est coude sur genou, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, on bascule sur l'autre côté, et pareil, 5 de l'autre côté, donc on fait les deux côtés, ok, donc je reprends, 10, mountain climber, 10, c'est 10 allers-retours, suivi de 15 natation, suivi de 5 travaux, 5 mouvements pour les obliques, donc avec genou sur coude sur genou, 5 à gauche, 5 à droite. Et bien, si vous êtes prêts, on démarre le chrono. Donc mountain climbers, c'est bien enregistré, mountain climbers. Natation, donc 10, 15 natation et 5 obliques à droite, 5 à gauche. Je mets le chrono et c'est parti dans 10 secondes. Allez, en position. 5, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on vous garde un petit rythme, chacun son allure, et le but c'est de tenir jusqu'au bout. Allez, un peu moins de 2 minutes. Bientôt.
3, 2, 1, top. J'attends pas bien le chrono, mais un peu plus haut. On ne change pas une équipe qui gagne. Pareil, on a une minute de récup. On boit un verre. Mais moi j'ai un score très régulier de 3,3. Bon. Difficile de faire. Là, moi je suis fatigué, pas possible de faire plus. Allez, je reprépare le chrono. Départ dans 10 secondes. On souffle bien. Je vais le mettre là-bas parce que sinon je ne le vois pas. Je le vois pas. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Allez, 10 secondes. Il monte un peu plus haut pour moi, un peu plus difficile. Sur la dernière, chaque fois je suis ambitieux sur la natation là avec les poids, mais je vais faire 100 poids sur le dernier parce que j'en peux plus. Donc 1,5 kg c'est un peu lourd, peut-être 1 kg ça passe mieux. On note le score.
ça va toujours? Allez, dernier passage là sur le je suis à plat là. Dernier passage, on va pas pouvoir s'y mettre. Démarrage donc. 10 secondes. Allez, démarrage dans 10 secondes. On se met en position. 3, 2, 1, top. On va vite, on essaie de garder le mouvement propre. D'accord ? Donc on est bien tendu, on est bien gainé sur le côté. Hein. Le compte est bon, Yvan, tu te moquais de moi. Mardi. Ouh. Eh ben, fait pas froid comme dirait l'autre. Ça va, c'est stable chez vous? Vous attendez plus? Ah bah c'est le moment où j'ai le crash du casque. Alors, là vous entendez pas, hein, c'est ça? PC. Est-ce que vous entendez là de nouveau ou pas? Donc j'ai le micro du casque, pas du casque, de l'ordi, donc ça va être moins bon. C'est parce que je sais pas pourquoi chaque fois pendant les exos, le micro il crash. Donc ça marche bien au début, puis après ça marche plus quoi. Donc j'espère que là vous entendez à peu près bien, que c'est à peu près audible. Donc vous avez fait vos scores. Donc on a fait les deux modules, les deux premiers modules qui sont faits. Donc la première de santé et je suis à plat. Le dernier qu'on va attaquer, c'est Yvan le Terrible. Yvan est terrible.
imaginé par notre Yvan National, enfin je sais pas s'il l'a imaginé ou s'il l'a repompé sur quelqu'un. Yvan le Terrible, c'est, on va faire du 3-6-9, donc 3 burpees sans la pompe, simplement planche et extension, on va le montrer l'exercice. Donc 3 burpees, 6 pompes, soit sur les genoux, soit en planche, et 9 squats sautés, d'accord. Donc 3-6-9, 3 burpees, 6 pompes, 9 squats sautés. Vous allez voir que le burpees, en fait, il reprend les deux mouvements, hein. Il reprend le mouvement de pompe et le mouvement du squat sauté. Donc ça va être tonique, ça va être difficile. Il y a moins de répétitions, mais au niveau cardio, là, ça va monter fort, je pense. Les squats sautés aussi, ça l'aide bien, donc ça va être compliqué. Donc on va voir les exos tout de suite. Et normalement, ce tour-là, on devrait faire plus que les... En 3 minutes, on devrait en faire plus que sur les premiers modules. Donc je vous remontre les squats, les burpees, donc mouvement de burpees, donc soit en dynamique, d'un sauté, pardon. Donc, et je remonte, okay. Donc position planche. On peut faire le saut ou pas, hein. On ne va pas faire le saut parce qu'on a le squat sauté après, donc on peut le faire sans le saut. J'alterne une jambe puis l'autre, je me redresse, ok? Une jambe puis l'autre, et je me redresse, okay. Ça c'est le burpee. 3, 6 pompes, soit sur les genoux, 6 pompes, soit sur les genoux, soit en planche, 6 pompes, et enfin 9 squats sautés. Le squat sauté, pour être validé, on doit toucher le sol avec les mains, sans baisser le dos, hein, c'est pas ça, c'est flexion, on touche, extension, d'accord, on touche, extension, l'extension, le saut est validé si on a décollé, si à un moment donné les deux pieds ne touchent pas le sol, d'accord, donc il suffit de sauter d'un millimètre, c'est bon, c'est validé, et les deux mains qui touchent le sol, vaut mieux tendre les doigts, si on tend les doigts, on descend moins bas, et c'est valable, c'est valide si on a touché. D'accord ? Donc 3 burpees, 3 burpees, 6 pompes, 9 squats sautés. D'accord ? Si vous êtes prêts, on peut boire encore un verre pour se donner du cœur à l'ouvrage. Moi je suis. Et si c'est bon pour vous, donc si c'est bon pour vous, je remets le chrono. C'est parti pour 3 minutes, un max de tours, et on fait ça 3 fois. Là, le démarrage. Démarrage dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Il reste 2 minutes. Une minute trente, moitié.
Allez, 30 secondes. 30 secondes. Merci Yvan pour cette trouvaille. On est au bout de notre vie là. Donc on note le score. Même pas qu'on va faire les deux derniers, je me demande. Ça pompe dans les jambes. Là, c'est. J'arrive même plus à me relever quoi. Allez, ça va être l'heure, faut s'y remettre. J'ai du mal. Allez, courage, on ne lâche rien, c'est la devise. C'est 3-6-9. Allez, 1 minute 50. Allez, 1 minute. Top.
Il est vraiment terrible, hein, celui-là. Voilà notre score. Moi, je dis, prochain confinement, c'est Yvan qui fait les séances. Il va m'achever avant mon heure. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Il reste un dernier round. Mais même s'il est terrible, on ira jusqu'au bout. Allez, démarrage. Dans 10 secondes, allez, 10 secondes, et c'est le dernier. On donne tout au mental. Hein. Pareil, 3, 6, 9. Moitié. Allez, on les accroche. Allez, il reste un peu plus d'une minute là. Allez, on y va. Allez, on y croit. Allez, 10 secondes. On arrête tout et on souffle tout. Allez, bravo. Vous comprenez pourquoi je vous parlais du jacuzzi? J'avais pas menti, hein. Allez, on souffle. On souffle bien. Et on écrit le score sur votre plaquette. C'est l'heure des scores. Donc là, je vous présente Sylvie.
C'est une copine triathlète. Et elle trouve que les exos sont trop difficiles. Allez, Thomas, on y croit, super. Elle trouve que les exos sont trop difficiles. Et pourtant, ah, oui, triathlète, elle mérite. Hein. Mais... Oui. Et ouais, c'est pas la foire ici, hein. C'est sérieux, c'est le sport. Hein. On n'est pas au boulot là. Et ben, c'est l'heure d'additionner les colonnes. Hein. Oui, attends un instant. Oui, attendez. Je fais des fromages, oui, ben, je vais les manger parce que j'aime ça. Là, c'est ma petite voisine qui m'a donné son petit trésor. Donc, c'est des petits fromages vers. Kiri, vache Kiri. Donc on disait, on fait les scores. 10, 20, 35 et 20, 36. Donc si vous êtes à 0,9, vous additionnez au-dessus, d'accord ? Vous arrondissez au-dessus, vous additionnez rien du tout. Donc à 0,9, vous arrondissez au chiffre du dessus, au nombre du dessus. Eh ben, je sais pas ce que ça donne chez vous. Vous me direz peut-être après dans le chat. Moi, j'ai préparé mon jacuzzi. Non, j'en ai pas, je mens, là, je frime, mais je n'ai pas du tout de jacuzzi. Par contre, ça va être douche froide après, quoi. Alors, on souffle bien encore. J'affiche le chat. 5 Yvan, hein, super, quoi. C'est la séance la plus dure de la saison. Yvan m'a tué. Moi aussi, j'ai mal aux cuisses. Ouais, 36, qui a fait 36? Yvan. Eh ben, écoute, on a le même score, Yvan. 36. Alors, je sais pas si j'ai bien compté, mais ouais, je crois bien que j'ai bien compté. Donc, on est à égalité. Donc, Yvan, tu es officiellement nouveau coach. L'homme à battre, c'est Yvan. Donc, le terrible. Allez, on a commencé. Enfin, le cœur, il a dû redescendre un peu. Non, même pas encore complètement chez moi. Hein. Pas encore en bas. Donc, s'il a commencé à descendre chez vous, tant mieux. Et on va se mettre en mode relaxation. Là, les cuisses, elles prennent cher. Hein. Le dernier tour, c'est tout dans les cuisses. Là, c'est terrible. Hein. Donc, moi qui avais encore mal d'hier et d'avant-hier, là, j'en ai bavé. 31-3, mieux que la dernière fois. Super, Laurent. Eh ben, dis donc, chapeau bas, quoi. Parce qu'en plus, tu fais mieux que la dernière fois. Alors que je pense que c'était plus dur que la dernière fois. Je pense, hein. Ouais, ou peut-être à peu près pareil, mais non, c'est chapeau, hein. Bravo, bravo. Michel, 31, Anne, 28, c'est des super scores, là. Et Estelle, encore woman, Estelle, 36-3, tu prends la tête, là. 23 pour Xavier, avec un genou en vrac, normal, tu fais x2, Xavier, puisque tu as le genou en vrac, tu fais x2, tu passes à 46, tu es officiellement meilleur garçon. Yvan, il reconnaît qu'il est mort, mais heureusement, Yvan, que t'es mort, hein. J'espère bien. Lucie, 33, sans poids, mais c'est parfait quand même. Bien joué Lucie. Laurent, lui aussi, sans poids, et ben c'est pas grave. La dernière fois, peut-être que vous l'aviez aussi fait sans poids, donc c'est équivalent à ce que vous aviez fait la dernière fois aussi. Donc, well done, well done. Aurélie, 27-4, très contente de ne pas avoir à rattraper. Tu m'étonnes, ouais, c'est chiant tout seul. On n'aime pas ça. Julie, 28-6, sans poids. 2 fois divisé par 3, 2 fois sur 3 sans poids, ok. Et ouais, la natation c'est horrible. Mais la natation c'est très bon parce qu'on est toujours assis toute la journée et on a tendance à se voûter. On a tendance à se voûter et le mouvement de natation, bah, il a tendance à dévoûter parce qu'on se redresse. Donc on fait travailler un peu le dos. Donc c'est un exercice, si c'est un exercice qu'on n'aime pas, ça veut dire que c'est un exercice dont on a besoin parce qu'on n'est pas à l'aise dessus. Ouais, horrible la natation sans le poids, ouais, je sais que c'est dur, moi j'ai fait les deux premiers avec, j'en pouvais plus. Et 31 Hélène aussi, est fantastique, bah dis donc, c'est des super scores là, au-dessus de 25, ça commence à causer sérieux quoi. Ouais, bah superbe, bah, on va se mettre en mode récup, hein, parce qu'on a tous mérité. Donc on y va, là c'est, on déroule simplement les jambes comme d'habitude, récup active. Simplement, on déroule les jambes. Et en plus, moi, pour me motiver, j'ai mis mon short porte-bonheur. Donc, ce cuissard, il date de 2003. Et il a fait embrun en 2003, messieurs, dames. Qu'on se le dise. Donc, c'est un short qui a 17 ans, mais il tient encore la route. Allez, on déroule.
pivote sur les épaules, toujours pour décontracter le haut. Ouais, la natation. Vicky, la natation, c'est comme plus sympa dans une piscine. Oui, bah oui. Mais là, quand vous allez arriver dans la piscine, là, ça va tout exploser, là. Vous allez être les rois du bassin, là. Corps d'athlète, puissance inégalée, tout va être, tous les feux vont être ouverts. Allez. Ce qu'on va faire, on va simplement enrouler colonne dos pour décontracter un peu et étirer un peu les vertèbres, le contrôle musculaire. Donc je rappelle, on se grandit, on se met bien haut, bien, bien grand, on pousse les bras vers le haut. Désolé, la caméra est trop petite. Je vais la monter, donc on se grandit et on va commencer à enrouler en partant du haut, d'accord? Donc on se grandit et on commence à enrouler la tête, menton sur poitrine, pardon, on serre les jambes, jambes serrées, on enroule le dos et on fait la position de l'œuf. Donc on enroule, on en serre les genoux et on déroule d'abord le bas, et on termine par la tête. On se grandit, pointe des pieds et on enroule. Menton, épaules, le dos et les genoux. On déroule tout en douceur. Une dernière fois, on se grandit. Pointe des pieds, on enroule tête, épaules, les genoux, et on déroule. On est en position écart, et on va simplement relâcher, donc on se met dos droit. Et on souffle bien avec les bras en bas, ok? Ça fait un léger étirement pour ne pas se blesser, mais étirement de bien-être derrière les ischios. Allez, on souffle. On se redresse. Et là, c'est pareil. On croise les bras, on les fait balancer. On se redresse. On va basculer au sol. On va faire position du scorpion, hein, avec l'étirement des lombaires. Donc, position main écart. Et on vient creuser le dos et pousser sur les bras. On lève la tête et on fait la position inverse. On vient mettre les fesses le plus loin possible en arrière et les bras le plus possible en avant. Et on rebascule. Donc on relève la tête, on creuse le dos. Mes points d'appui ne changent pas. D'accord? On bascule avec les mêmes points d'appui. Une dernière fois. Toujours en douceur. On creuse le dos. Idéalement, on a le nombril au sol. Hein, idéalement. Et on revient une dernière fois derrière. On va faire juste un mouvement de creuser le dos en position, position 4 pattes et creuser le dos. Quand on creuse le dos, le chat vexé là, on met la tête en bas, ok, tête dans les épaules et on creuse. Inverse, on fait de l'inversion, ok. On creuse et on bombe. On va relaxer donc les membres inférieurs par gravité. Okay. Donc on soulève, on cale avec les mains sous les fesses, on cale les fesses, on lève les jambes, on se met bien à plat et on secoue les jambes. On secoue bien, ça fait un drainage par gravité.
Allez, on secoue dans les deux sens, en latéral, dans les deux sens. Allez, on secoue bien. Et la même chose, on relaxe. Donc, bras tendu derrière, jambes un peu écartées, et on secoue les genoux pour décontracter tout ce qui est cuisses et mollets. Ah, c'est fini. Il va être l'heure, donc c'est fini. Et je remercie encore beaucoup Yvan. Je le balance, mais je le balance là. Il va prendre cher quand vous allez le rencontrer à la tour, le pauvre Yvan. Il va prendre des œufs ou des tomates, quoi. Mais je remercie encore Yvan. Je remercie encore beaucoup Yvan pour cet exercice, donc le troisième module, hein, le 369 dont on se souviendra toute notre vie. Quand j'ai vu tes modules, j'ai cru que c'était des 5 minutes tes rounds. J'ai eu très très peur. Ah oui. Non, 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 c'est bon. Comme je les teste un petit peu avant quand même, ça passe pas quoi. Et en fait, c'est un challenge qu'on avait déjà fait là il y a 2 mois sur ce même format, 3 fois 3 minutes à chaque fois. Donc 3 modules de 3 fois 3 minutes. Et voilà, on a juste changé un petit peu les exos pour qu'on puisse caler ta suggestion du jour. Hein, je rappelle qui vient donc de toi, Yvan. Donc si vous ne savez pas qui est Yvan, je vous le présenterai. On fera un repas quand on sera tous réunis. Alors ce sera très difficile d'avoir tout le monde, mais on essaiera d'avoir un maximum de monde. Et puis je vous présenterai Yvan qui fera donc un petit discours à ce moment-là. Donc je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour les 2 dernières séances. Donc ce sera le moment de se dire adieu. Mais évidemment, on continuera, l'AMSAP survivra à ce confinement et on continuera donc les activités AMSAP quand on sera de retour dans la tour, bien évidemment, comme on le faisait déjà auparavant. Ciao tout le monde, on coupe la caméra.